qui sème des ordres et des désolations au niveau de la population. Voilà, le décor est là. Françoise Bouela et toute l'équipe qui est là, Jérène Kelani, J.R. Diakiadi, Jessica Bassel, et tout le monde est là. Françoise, si vous m'entendez, vous pouvez prendre l'antenne et nous décrire à quelques détails près ce qui se passe sur place à Béni. Dans la ville de Matadi, Boma, à Boutembo. Nous, nous sommes à Béni. Béni, une zone rouge. Zone. La retransmission en direct de toutes les activités que va déployer le président de la République dans ce périple, hein, autant au niveau de la province du Nord Kivu qu'au niveau de la province de l'Ituri. Nous sommes ici, comme vous le remarquez au travers de ces belles images qui vous arrivent, très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien à Béni et une ville hein, qui fonctionne normalement, outre les atrocités qui se font remarquer par-ci par-là, mais Béni est une ville qui existe, les activités y sont, et Françoise Bouela est descendue sur le terrain pour nous faire voir les réalités qui prévalent à Béni. Péchoumé Benga, avec votre complicité, si nous pouvons suivre ce reportage de Françoise Bouela sur la ville de Béni. Sur la déventure, rien n'est renseigné sur la vie à l'intérieur. Nous sommes à Ishango, au quartier Malépé, une référence pour les spectacles hauts en couleur et autres fous rires. Kizo est tombé amoureux de cette ville depuis 5 ans. À Béni, il y a cet espace où tout le monde peut se retrouver, danser et passer des très bons moments. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe, mais à Béni, il y a aussi la vie quand même. Le rire est thérapeutique. Des spectacles sont offerts au public qui en réclament chaque semaine. Allumez vos téléphones. Allumez. Voilà. On est là pour se déstresser mutuellement, parce que déjà vous connaissez bien ce qu'on parle de la ville de Béni. Mais au-delà de ça, nous disons que voilà, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que les gens aient toujours cette image. Il faudrait vendre aussi positivement l'image de cette ville, quoi. Ishango, c'est aussi ce podium qui accueille des stars venues de partout, tels que Jean Gobal de Kinshasa et le comédien Boulamatari. Avec de nouvelles mesures prises par le chef de l'État, Ishango est frappé par 15 jours de fermeture. 15 jours, c'est pas trop. On pourra tenir bon et peut-être s'adapter avec différentes activités. Espace de jeu, pizzeria et un restaurant. Cet espace, c'est aider la population de Béni à résister et à donner un sens à la vie. Comme vous l'aviez remarqué, très chers téléspectateurs, Béni n'est pas une ville fantôme. Hein. Béni, toutes les activités y sont exercées, mais sauf dans la périphérie où il y a quelques problèmes avec l'incursion des ADF, mais à Béni, tout va pour le mieux. Alors, on me dit que Béni est déjà prêt. Nous pouvons joindre Françoise et toute l'équipe qui est sur place à Béni pour nous décrire l'ambiance qui règne en ce moment, avant bien sûr que le chef de l'État nous reçoive les différentes notabilités pour sensibiliser les uns et les autres. Françoise Bouela. Allô, Françoise? Françoise Bouela, si vous nous écoutez, J.R. Diakiadi, Jérène Kelani, Jessica Bassele, vous pouvez prendre l'antenne pour nous parler justement de cette rencontre entre les chefs des différentes communautés et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, qui va recevoir tout à l'heure. Françoise, je vous vois au travers ces images. Si vous pouvez nous décrire l'ambiance qui règne en ce moment avant que le chef Blaise n'arrive sur place. Blaise. Context.
Blaise Bokokia, je crois que tout est revenu en ordre avec des petits soucis techniques, mais nous sommes en mesure d'assurer ce direct depuis la ville de Béni. Je le disais à l'instant, le chef de l'État séjourne dans cette ville depuis jeudi. Félix Antoine Tshisekedi, depuis mardi, depuis mardi, le chef de l'État est ici, nous sommes jeudi 17 juin, nous émettons en direct, vous nous suivez un peu partout dans le monde, dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, ce qui était impensable il y a quelques années, et c'est finalement réalisé, c'est possible, la RTNC a déployé ses équipements pour assurer ce direct. Le chef de l'État, par respect des mesures barrières, vous savez, la troisième vague continue à faire des victimes en République démocratique du Congo de la Covid. Le chef de l'État a pris quelques mesures de renforcement du contrôle. Parmi ces mesures, le rassemblement sont interdits. Donc Félix-Antoine Tshisekedi ne pouvait pas faire un bain de foule, rencontrer la population qui s'était amassée au rond-point Nyamouissi pour entendre son message. Il a par contre tenu à organiser cet échange groupé avec différents groupes d'intérêt pour représenter la population de Béni dans son ensemble. Donc nous sommes en direct partout où vous nous suivez. J'ai mon masque, je serai obligée de l'enlever pour une bonne... Voilà, c'est bon. Merci Jesse. Je le disais, nous allons assurer ce direct en compagnie de deux confrères venus de la RTNC Goma. Nous avons Laurent Nyangé avec qui nous allons conduire ce direct en français. Bienvenue Laurent. Merci Françoise Bouila. Bonjour à tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise en direct Béni. Béni, une ville Béni. Et nous sommes ici, comme vous l'avez dit, avec le chef de l'État qui est venu compatir avec toute la population de ce coin, de la République démocratique du Congo. Merci, merci Laurent. Nous avons aussi Michel Motabécha qui va assurer la retransmission en Swahili. Michel Abari. Amjambo, Mama Françoise Bouela, Kamaville Moza Kueliza, Raïs Wataifa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ambaye amekuwa katika mji wa Beni, na nitangu siku ya ine aliweza kuwasili, siku ya pili aliweza kuwasili hapa Beni, na hii leo ataendesha mazungumzo na vikundi mbalimbali vya wakazi katika mji wa Beni. Ni kwamba punde hivi tu masaa machache rais ataweza kuendesha mazungumzo kusikiliza ni nini waraia wa Beni wanaeleza hususan mengi kuhusu ziara yake katika mji wa Beni. Merci Michel. Et pour enrichir ce plateau spécial organisé depuis la ville de Béni, vous avez certainement vu les images qui ont fait le tour du monde. Les élèves de Béni ont séché les cours pendant presque 2 mois pour demander l'arrivée du président de la République. Nous avons sur ce plateau leur président. Il s'appelle Nixon Muyindo. Nixon, bonjour. Bonjour Maman Françoise. C'est bien vous qu'on avait vu sur les images. Oui, c'est bien les petits qui étaient vus sur les images, c'est Muyindo Nixon. Nous étions en train de réclamer l'arrivée du chef de l'État et voilà, il est là. C'est pour cela que les élèves depuis avant-hier se sont bien mobilisés pour venir accueillir chaleureusement le chef de l'État. Vous êtes des enfants, il y a eu des interprétations sur votre geste. Comment vous réagissez? Oui, vous savez... Vu que la ville de Béni, c'est une ville politique et on croyait que les enfants sont manipulés et ça s'est fait, on disait qu'on est des maïmaïs, mais la chose qui n'était pas vraie. En vrai dire, c'était les enfants qui étaient vraiment, qui disaient qu'ils en avaient marre avec les sécurités. Vous savez, quand on dit, il y a des manifestations, nous on n'étudie pas, tout ça, on a vu que c'est pas bon. C'est pour cela que nous avions compris que notre réponse, c'est le chef de l'État qui puisse venir ici chez nous à Béni, qu'on partage avec le chef de l'État. Et espérons que c'est un papa, il va comprendre les soucis de ses enfants. Donc le président de la République est arrivé à Béni, c'est entre autres grâce à votre démarche, vous vous sentez victorieux?
Oui, vous savez, tous les enfants de Beni et élèves de Beni sont tellement joyeux, vu que le chef de l'État, il a répondu, comme il l'avait promis en étant en France, il avait dit, cher enfant, rentrez à la maison, je viendrai, et il est là, donc il a répondu. Et... Ce message ne vous avait pas découragé? Vous ne vous êtes pas senti abandonné? Oui, vous savez, il est notre président, et il est aussi président de l'Union africaine, nous avions compris qu'il a plusieurs tâches à accomplir dans l'Afrique et dans la nation. Nous avons écouté, nous avons rentré, malgré qu'il y a eu certains incidents que nous avions pu enregistrer. Nous n'avons pas été décis et nous, c'est pour cela qu'on est là. Si on devrait être décis, on ne devrait pas venir l'accueillir chaleureusement. L'idée est venue de qui? De sécher les cours? Vraiment, l'idée était motivée de la situation de chez nous. Vous savez, l'enfant de Beni, on croyait qu'on est abandonné par la nation. Ça nous a dit non, réfléchissons et veillons faire appel au chef de l'État, vu que ce n'est pas pensé. C'est pour cela que l'idée était bien motivée. Et vous aviez vu, il y avait des enfants même de 7 ans. L'enfant qui vous dit, moi, je quitterai ici jusqu'à ce que le président de la République arrive à Beni. Donc, l'enfant lui-même, d'abord, il était motivé que la présence du chef de l'État va changer quand même quelque chose. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Parce qu'il y a plus de 20 ans, même avant votre naissance, que les gens continuaient à être tués. Pourquoi vous avez choisi ce moment-là? Vous voyez, cette question, c'est une question à poser peut-être aux gens qui sont à l'université. Parce que nous étions encore des petits, nous n'avions pas de telles idées. Mais quand on a eu la chance d'avoir l'âge de réfléchir sur ça, et nous avons vu que ce mieux de passer à cette action. C'était après que nous puissions voir la situation de chez nous. D'accord, Nixon, on nous annonce que le chef de l'État va bientôt rejoindre ses invités. Mais rapidement, je présente Madame Rose Kambou, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame la journaliste. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Nous sommes ici parce que le 15 mai et le 17 mai, nous avions rencontré le chef de l'État à Kinshasa lors des plaidoyers en faveur de la paix ici à Beni et à Ituri. Et nous lui avons à l'occasion transmis les besoins de la population de le voir ici à Beni, tout comme à Ituri. Maintenant, il est là, comme qui dirait à Lingala, Papa Ye Nzalesili. Papa Ye Nzalesili, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Nous attendons de lui la paix. C'est le Nzala dont je parlais. Nous avons cet espoir que sa présence, c'est vraiment une réponse historique qui va et souder la collaboration entre lui et les services de sécurité avec la population représentée par tous les leaders qui sont réunis ici. Et nous savons que la paix va revenir. Merci, Maman Rose. Je rappelle que dans les délégations qui sont ici, Laurent, nous avons les confessions religieuses, les coordinations de la société civile de Beni, les organisations féminines, des femmes qui encadrent des enfants orphelins, des massacres. Vous venez d'écouter le président des élèves de Beni, Nixon Mouindo, qui avait poussé ses amis à décréter quelques temps pour lancer l'appel au chef de l'État de venir lui-même. Aujourd'hui, le président de la République est arrivé sur place, c'est une satisfaction, et bientôt il va rejoindre ses invités qui l'attendent avec beaucoup d'espérance. Laurent, vous êtes à Goma. Comment est captée l'arrivée du chef de l'État ici? Parce qu'il faut dire Goma et Beni, c'est le nord qui vaut. Ah, tout à fait, Françoise Bouela, comme venait de l'annoncer d'ailleurs, c'est avec une réjouissance totale que toute la population du nord qui vaut, en commençant par celle de Goma, en passant par différentes villes du nord qui vaut, tout le monde sait dans une réjouissance totale que cet accueil a été réservé aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo. C'est dans ces sens-là que la mobilisation était au maximum partout. Les différentes organisations de la couche sociale étaient là pour réserver, jusqu'à présent, en train de réserver un accueil digne au chef de l'État. Merci. Merci Laurent. Michel, le Swahili. Nikwamba, Mama Françoise Bouela, Punda Ivi Kariboni, Rais wa Taifa, taweza kuingia na kuweza kuanzisha mazungumzo na ujumbe ambao umengojelewa kwa hamu sana
na wengi wa kazi hususa hapa mjini Beni, jimbo lote la Kivu la Kaskazini, hata na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuwafahamisha ya kwamba hapa tumekuwa kwa vikundi mbalimbali vya wakazi, ni kama vile wawakilishi wa vikundi vya makanisa ama vya madhehebu mbalimbali za kidini, wawakilishi vile vile wa mashirika za wamama ambao wamekuwa wakiwahudumia wale waathiriwa wa vita, watu ambao wamekuwa na magumu mbalimbali, wanafunzi ambao siku si nyingi waliweza kupiga goti mbele ya ofisi ya meya wa mji wa Beni wakilazimisha rais wa taifa aweze kuwasili hapa katika mji wa Beni. Ni kwamba kwa kutoa jibu kwa ombi yao, rais yupo hapa na wao watazungumza hivi punde tu na rais wa taifa. Ni kwamba ni hayo tu, na wakazi hapa katika mji wa Beni ni wengi ambao wametoa shukrani na wameonyesha matumaini kwamba ujio wa rais wa taifa, kwa kuwa punde tu siku si nyingi waliweza, ni kwamba voilà, comme annoncé, le président de la République fait son entrée. Félix-Antoine Tshisekedi avait promis de parler à la population directement, sans intermédiaire, mais pour raison de respect aux gestes barrières, on a essayé de faire un tri pour constituer les délégations. Merci, merci Gérard Diakiadi qui assure la réalisation de cette retransmission. Merci à toutes les équipes. Oui, allez-y, nous allons vous retrouver plus tard. Nous vous laissons suivre cette échange du président de la République. Voilà. Excellence, puisse continuer. Je vous en prie. À vous autres. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Excellence, devant vous, un échantillon de votre population du territoire de Beni. Regroupés en 7 groupes, les chefs coutumiers, la jeunesse, les étudiants, la société civile, les mamans, genre, famille, leaders religieux et la FEC. Pour gagner le temps, Excellence, le président de la société civile va prendre la parole au nom de toute la société civile. Et au deuxième lieu, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, va prendre aussi la parole. Et la jeunesse, à travers le leader de jeunes, le président de la jeunesse plutôt, et les élèves qui avaient dernièrement ici manifesté à Beni, vont aussi prendre une parole. Excellence, plus à vos ordres. Merci, monsieur le gouverneur. C'est à qui le tout? Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la société civile salue votre visite à Beni. Merci. Ce qui manifeste l'attachement que vous avez envers notre entité, ville et territoire de Beni. Nous voudrions également encourager votre détermination dans le cadre de la restauration de la paix dans notre région. Le contexte, vous le savez, c'est l'insécurité grandissante qui est caractérisée par les tueries à masse, les massacres commis par les EDF et d'autres groupes armés. Vous aviez lancé les opérations militaires depuis octobre 2019. Nous avons vu comment ces opérations se sont déroulées. Et la ville de Beni a été à l'abri depuis 2020 jusqu'aujourd'hui
à l'abri des incursions, des attaques des EDF. En tout cas, on vous remercie pour cela. Néanmoins, le territoire de Beni, c'est là où la situation s'était empirée jusqu'à aujourd'hui, de l'ouest à l'est, du nord au sud, dans le territoire de Beni. Et la route Beni-Kassindi a été une route de la mort, où les opérateurs économiques, les usagers de la route sont toujours victimes des embuscades, des attaques et de toutes les atrocités commises par ces malfrats. Excellence, Monsieur le Président, la société civile voudrait que dans le cadre de l'état de siège, il fallait appuyer les opérations militaires et surtout les autorités militaires nouvellement installées et les militaires au front pour que ces derniers soient à la hauteur de leur mission. Nous sommes à contact régulier avec les militaires au front. Comme la société civile collabore, elle est partenaire de l'État. Nous accompagnons l'État dans ses missions. Les militaires nous expliquent des difficultés liées à la logistique. On n'a pas de drones, on n'a pas des hélicos de guerre. C'est pour cela que nous voudrions solliciter de votre personne cet appui conséquent pour que vraiment la guerre finisse. Vous avez mis des moyens et vous continuez à mettre des moyens. Nous avons voulu que vous puissiez aussi désigner, déléguer quelqu'un, une personne indépendante qui va vous aider à faire les suivis des moyens que vous disponibilisez aux opérations, afin de se rassurer de sa destination. Nous avons voulu que cette personne collabore avec la société civile dans le cadre de l'échange des informations, pour que vous ayez des vraies informations venues de la base. Il y a également l'état de siège que vous avez décrété. Tout cela dans le cadre, dans le souci de pacifier, de restaurer la paix. Mais il y a des conséquences que nous sommes en train de vivre, de constater sur terre. C'est par exemple au niveau de la justice. Vous savez que les juridictions civiles ont fermé leurs portes, alors qu'il y a des prévenus. Et les juridictions militaires qui sont ici, les magistrats, les juges, sont moins nombreux. Nous avons voulu que, dans ce cadre-là, il faut renforcer les effectifs des magistrats et des juges militaires pour que ces derniers puissent être à la hauteur aussi de résoudre vite, vite les dossiers comme ils sont maintenant débordés. Il y a également la route Beni-Kassindi. C'est une route principale, malheureusement victime de la sécurité. Nous avons voulu que vous puissiez faire pour que la sécurité soit renforcée sur cette route principale. Et d'ailleurs, nous avons salué le lancement officiel que vous avez fait hier dans le cadre d'asphaltage de cette route. Ça va permettre une communication directe, mais aussi une sécurité. Parce que c'est la l'unique voie qui permet aux opérateurs économiques de Beni Butembo de se ravitailler à partir de l'extérieur, donc de l'Est, de la RDC ou de l'Afrique. Vraiment, si cette trosse, cette route insécurisée, ça va nous aider et ça va aussi soulager la population de Beni. Excellence, Monsieur le Président, nous avons voulu être ensemble avec vous. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais comme le temps est contraignant, permettez-moi de finir en vous demandant de dire aux militaires au front de travailler dur, parce que quand on a confié la mission aux militaires, avec dans le cadre de l'état de siège, ils ont une mission qui est déterminée. L'état de siège ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est pour cela qu'il faut tonner fort aux militaires au front pour que ces militaires incarnent votre volonté. Vous avez la volonté, mais vos partenaires, vos collaborateurs, peut-être parmi eux,
il y a ceux-là qui ne voudraient pas que vous puissiez aboutir, vous puissiez réussir. C'est pourquoi vous devez être derrière ces officiers, ces militaires au front et les politiciens afin que votre mission vraiment atteigne son objectif. Voilà, bref, Excellences, Monsieur le Président, la demande de la société civile, tout à vous remerciant, nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois d'être avec nous ou de nous communiquer, mais la société civile, comme elle est partenaire, elle travaille difficilement. Nous avons accompagné les opérations militaires et nous avons perdu nos collègues parce qu'ils ont dénoncé, parce qu'ils ont été pisteurs aux côtés des FARDC, mais ils ont été victimes soit d'enlèvement, soit d'assassinat, soit d'arrestation. Comme nous travaillons difficilement, nous avons voulu que vous, en tant que commandant suprême, père de la nation, voyez dans quelle manière appuyer également cette société civile pour que ses activités, ses missions puissent également être à l'avantage de la population de Béni-Ville et Béni-Territoire. Excellence, je vous remercie. Merci. Excellences, Messieurs les Présidents et Chefs de l'État, votre présence à Goma, à Beni et bientôt à Ituri est non seulement la preuve de votre attachement à un contrat social signé avec le peuple, mais surtout le témoignage de votre qualité de beau père de famille qui n'abandonne jamais ses enfants et qui est prêt à tout sacrifier pour venir personnellement réconforter sa population en détresse. Excellence, veuillez trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous allons seulement vous dire le point, puisque nous avons déjà les mémos entre votre main. Ici, nous avons surtout besoin des places sécuritaires, si ça peut nous aider, surtout pour nous les opérateurs économiques, pour que nous puissions bien travailler. Nous avions besoin de les facilités que hier vous aviez déjà fait les premiers pas. La route, l'électricité et l'amélioration des climats des affaires entre nous. Nous avons besoin de sécurité aussi pour l'agriculture, sinon on ne sait pas aller au champ s'il n'y a pas moyen d'y aller puisqu'il y a les adéfinales à l'intérieur. Sur les cinq points que j'ai énuméré ici, on a développé ça dans les mémos qu'on va vous montrer. Et nous vous disons merci de pouvoir venir pour nous. Nous terminons par là. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, bonne santé à Beni. Merci. Nous sommes complètement ravis de joie pour votre présence à Ville de Beni, pour nous, d'amour avec nous, population de Beni. Excellence, moi je ne vais pas aller très loin, je vais tout juste aller vers les recommandations, parce que nous avons déjà déposé notre note de plaidoyer. Très bien. Le collectif de la jeunesse de Beni recommande au chef de l'État d'organiser un audit interne afin d'auditer les opérations Sokola depuis le début des opérations, donc au PLR de 2014 à 2021. Le collectif de la jeunesse de Beni recommande au chef de l'État de demander à la force spéciale de la MONUSCO de traquer et de neutraliser les ADF conformément à la résolution 2525-56 du Conseil de sécurité des Nations Unies, voire chapitre 7. Parce que quand nous nous voyons avec la MONUSCO, là, ils ont toujours l'état de nous dire que votre gouvernement ne veut pas que nous puissions traquer et tuer
les ennemis qui sont en train de vous tuer. Le collectif de la jeunesse de Beni recommande au chef de l'État d'accélérer le processus du programme national de démobilisation et réinsertion des groupes armés qui ont déjà manifesté leur volonté de quitter la brousse. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous allez comprendre qu'il y a certains jeunes qui se retrouvent dans des cas ici, ils ont passé beaucoup de temps, incertains. Nous sommes en train de penser que peut-être ils vont retourner parce qu'ils n'ont pas d'encadrement quant à ce qui concerne. Le collectif de la jeunesse de Beni recommande au chef de l'État de donner les moyens à la jeunesse afin qu'elle puisse sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armés et aussi sensibiliser sur l'état de siège. Excellence, Monsieur le Président de la République, partout quand nous sillonnons, les gens sont en train de dramatiser l'état de siège, y compris même de mystifier. C'est ainsi que nous passons, pourvu que nous puissions comprendre, il faut une sensibilisation, pourvu que nous puissions comprendre l'état de siège d'une façon générale et voir comment aider en ce que l'état de siège aboutisse à un niveau où nous pouvons avoir la paix. Pour le contrat de la construction de la route Kassindi-Goma, le collectif des associations de la jeunesse de Beni recommande au président de la République de s'impliquer personnellement pour que la jeunesse de Beni puisse trouver leur part à terme de travail, afin de réduire les taux de chômage des jeunes, mais aussi de rendre publiques les clauses du contrat de la construction de cette route. En ce qui concerne la grande logistique de l'armée, nous conseillons vivement au président de la République de s'impliquer personnellement et de faire le suivi régulier sur le terrain par ses hommes de confiance. Parce que nous avons toujours constaté, quand on a dit qu'on a donné des moyens à l'armée, vous allez voir des généraux quitter Kinshasa. Après avoir consommé ces moyens, ils retournent et nos militaires croupissent dans des conditions difficiles ici chez nous. C'est ainsi qu'il faut vous concentrer sur cette question. Pour la question du cacao de la région de Beni, nous recommandons au chef de l'État de travailler avec l'Ouganda pour la traçabilité de ces produits. Le collectif de la jeunesse de Beni recommande au chef de l'État de concrétiser sa promesse de campagne d'installer un état-major avancé à Beni. Excellence, Monsieur le Président de la République, vu que les opérations militaires dans la région de Beni ont déjà montré qu'il faut encore d'autres pistes de solutions, il est souhaitable que vous puissiez aussi y ajouter des approches non militaires pour nous aider à mettre fin aux tueries de Beni. Parce qu'à un moment, nous avons suivi même les responsables de la MONUSCO en RDC qui s'étaient prononcés en disant qu'il faut envisager aussi, si pas il faut échanger, ça veut dire qu'ils ont des éléments. Et donc, si nous pouvons aussi approcher d'autres schémas pouvant nous amener la paix, nous pensons que aussi c'est encore mieux. Excellence, pour terminer, on nous dit souvent qu'on a déjà amené plus de 21 000 hommes ici chez nous. Mais quand nous observons, nous ne savons pas et nous ne sommes pas disposés à dire oui que les 21 000 hommes existent chez nous. C'est ainsi qu'il faut nous aider pour ça. Parce que la fois passée, quand nous avons suivi que l'ennemi a attaqué le secteur de Rwenzori, la population de Rwenzori nous dit que les militaires qui étaient là-bas étaient comptés au bout des doigts. Excellence, veuillez nous aider pour cette question. Je vous remercie au nom du Conseil de la Jeunesse Beni. Merci beaucoup. Merci. Excellence, nous avons parmi nous les élèves qui avaient manifesté dernièrement. Vous pouvez aussi les écouter. Si bien sûr. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à vos respects. Merci. Je suis Jason Katia Moyewa, président du Parlement d'affaires de Beni et la coordination du Grand Nord Kivu, mais aussi l'élève que vous avez vu se faire emprisonner pour votre arrivée ici à Beni, accompagné de 78 autres enfants.
La question qui nous concernerait la plus, c'est la question éducationnelle, celle qui est cependant sabotée par la situation insécuritaire. La situation insécuritaire qui nous rend vulnérables, des premières victimes de la souffrance, puisque nous sommes des premiers dépendants de nos parents, et si nos parents ne sont pas dans les bonnes conditions, nous aussi, nous tombons dans les mauvaises conditions. La vie de la population est dangereuse, ce qui pousse les enfants à tomber dans des mauvais schémas de la vie. La situation éducationnelle, quant à elle, elle est mal sécurisée, c'est-à-dire les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions à l'école. Depuis 2014, on arrive à totaliser plus de 414 jours, ça pour autant avoir étudié. Ce qui fait en sorte que la génération présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre. Et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve son droit qui lui est proprement reconnu. Excellence, Monsieur le Président, la sécurité a poussé à beaucoup des enfants vivant dans la souffrance, sans pain, sans une nourriture, sans les moyens d'accéder à une vie normale, de se rallier aux groupes armés. Et dans ces groupes armés, ces enfants sont utilisés comme des boucliers. Les filles particulièrement, elles sont vulnérables à la violence, d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Les garçons qui restent près des soldats sont aussi des soldats qui vont dans la guerre. Et pas seulement dans la guerre, ils servent de cuisiniers, mais aussi ce sont eux qui sont des espions dans la ville. Ces enfants, ils ne sont pas là par leur propre vouloir. Ils sont tombés dans cette erreur parce que la condition de vie les a poussés, les a menés à faire des actions impossibles. Cette façon de vivre sans parents, vivre comme un orphelin, délaissé par la communauté internationale, nationale, tant que locale. Cette façon de vivre sans pour autant avoir la capacité d'accéder à quelque chose, à voyant tous les autres enfants dans le bien-être, leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires, comme le ferait peut-être toute autre personne qui est conscient et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance. La peine des enfants prend de multiples formes. Les adultes, c'est vrai, souffrent, mais pour les enfants, c'est le double. Puisque la guerre attire des violences, et les violences sont ce qui victimise à grande partie les enfants. Les 16 formes de violence dont parle la communauté internationale sont visibles et tangibles ici dans la ville de Beni. Je ne sais pas quoi dire pour pouvoir vous signifier la souffrance des enfants d'ici à Beni. Et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix, comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous les enfants de Beni. En particulier, on vous prierait de bien pouvoir prendre à charge, prendre à priorité la situation de Beni avant toute autre situation, vu son état de fait et vu les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour. Monsieur le Président, je vous supplie de bien vouloir agréer la majorité des paroles des affaires de Beni et de bien vouloir accompagner le fait que les affaires de Beni ont passé 8 jours et nuits priant que leurs rêves soient une réalité, de bien vouloir les remettre dans une route où ils pourront continuer en espérant avoir une vie paisible et en espérant vivre dans la réalité des faits. Monsieur le Président, à vos honneurs, je vous remercie pour nous avoir attendus. Voilà. Excusez-moi d'être un petit peu bouleversé. Le jeune homme m'a vraiment saisi émotionnellement. Et je voudrais le remercier en tout cas et lui dire, mon fils, je ne vous abandonnerai jamais.
vous devez le savoir. Bien. D'abord, permettez-moi de, à travers vous en tout cas, de présenter mes excuses à toute la population de Béni pour avoir finalement annulé le meeting populaire que je devais tenir. Je remercie les uns et les autres ici, particulièrement les chefs coutumiers, les représentants d'associations qui avaient mobilisé énormément ces deux derniers jours pour cet événement. Mais comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai adressé à la nation un message à propos de la recrudescence de la pandémie de Covid qui fait des victimes en grand nombre dans notre pays. La troisième vague est beaucoup plus virulente que les deux précédentes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui devait d'ailleurs arriver ici comme administrateur parmi les nouveaux que j'ai désignés pour gérer l'état de siège, qui malheureusement est décédé, paix à son âme. Et même parmi mes collaborateurs aussi, malheureusement, j'ai perdu le coordonnateur de la cellule climat des affaires que j'avais créée au niveau de la présidence, qui est décédé aussi de Covid, paix à son âme. Et dans notre délégation ici, il y avait deux généraux qui devaient venir avec nous, mais qui ont dû annuler parce qu'ils ont été testés positifs. Donc vous voyez, la Covid est déjà dans la région. Et donc je vous recommande vraiment, je vous recommande vivement de faire très attention. Cette troisième vague est encore plus dangereuse et beaucoup plus sournoise que les deux précédentes. Et elle fait beaucoup de dégâts. Donc prenons vraiment bien soin de nous prémunir. La seconde chose que je vais dire, je vais commencer peut-être à énumérer les points que vous avez énoncés ici. C'est la principale d'ailleurs, c'est l'insécurité. Ça fait des années que ce coin de la République, pourtant très dynamique, très engagé, très déterminé, très entreprenant, est en proie à la violence. Et au-delà de la ville de Béni, il y a le territoire et même au-delà du territoire. Je suis conscient des difficultés et vous devez savoir que la situation, elle est très complexe. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire ici à un camp, un groupe visible, positionné en face de nous et que nous devons absolument attaquer, éliminer. Nous avons affaire à un type de guerre qui est asymétrique. Les spécialistes de sécurité vous diront que ce n'est pas une guerre classique. L'ennemi est sournois. La journée, on ne le voit pas, il disparaît, il se mêle à la population. Et la nuit, il apparaît de manière brutale, violente et cause la mort. Le jeune homme qui vient de terminer, mon fils, l'élève, a dit qu'il y a même des enfants aujourd'hui, et c'est ça qui m'a vraiment fait de la peine. Des enfants devenus orphelins, abandonnés, qui sont récupérés par ces groupes, utilisés parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, et
réinsérer dans la société comme indicateur, comme espion, pour donner des positions, des informations qui vont servir aux adultes à venir causer la mort. C'est compliqué, mais en tant que responsable de ce pays, de cette armée, je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée, parce que je vais en finir avec ces gens qui sont doublement criminels, parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça, c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté. Évidemment, je ne vais pas vous faire le compte-rendu de nos discussions parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus. Vous avez évoqué l'état de siège. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. L'état de siège, rassurez-vous, n'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Votre gouverneur, que je vois ici, qui est un homme que j'apprécie énormément, et dont j'appréciais d'ailleurs le travail, il le sait, à chaque fois que je le recevais à Kinshasa, je le lui disais, il avait mes encouragements. Votre gouverneur, disais-je, n'a pas été désavoué, loin de là. D'ailleurs, dès que l'état de siège prend fin, et j'espère le plus tôt possible, il sera réhabilité, sans aucun problème. Parce que c'est un homme en qui j'avais confiance et que j'appuie personnellement, il le sait. Je ne le dis pas pour le flatter, il le sait. Mais il fallait que nous ayons un militaire. Vous savez qu'un gouverneur, c'est le représentant du président de la République. Et vous avez évoqué ici, avec raison d'ailleurs, la situation de notre armée, la manière dont nos militaires sont pris en charge, organisés, structurés. Quelqu'un a même donné des chiffres et j'ai apprécié. C'est vrai, il n'y a pas 21 000 hommes ici. C'est vrai, vous avez raison. Il n'y en a pas. Il n'y a pas 21 000 hommes. Donc tout ça, diriger ça de Kinshasa, c'était compliqué. Et le gouverneur, Karli Kasivita, qui est un civil, ne pouvait pas non plus forcément avoir accès à toutes ces informations. Donc il fallait un représentant du président de la République qui soit militaire pour percer ses secrets, ses confidences, ses magouilles, disons même ça comme ça, ses magouilles. Parce qu'il y a des gens qui trouvent plaisir à jouer avec la vie des autres pour leurs propres intérêts. Alors il n'y avait pas meilleure personne qu'un militaire de probité avérée, un homme à l'expérience qui n'est plus à prouver, pour justement m'aider à régler ce problème-là. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, votre armée, notre armée nationale, va monter en puissance de plus en plus dans les jours, les semaines et les mois à venir, grâce justement à cette décision. Et dès que les résultats seront obtenus, le gouverneur
son adjoint seront appelés à d'autres missions. Et le gouverneur qui faisait fonction avant, Carly Casivita, va reprendre sa mission normalement telle que dévolue par la Constitution. Donc, vous n'avez pas à vous détourner de l'état de siège. Et je suis d'accord avec le représentant de la jeunesse. Il faut qu'on y réfléchisse, monsieur le gouverneur militaire, à utiliser les jeunes, à leur donner davantage de moyens pour qu'ils sensibilisent, surtout les jeunes comme eux, à comprendre la nécessité de cet état de siège. Vous devez aller vers les gens, rencontrer-les, parler avec eux, parce qu'évidemment, vous le savez, le succès des opérations militaires n'est pas souhaité par tout le monde, même par des Congolais, c'est ce qui me choque, et pire même par des habitants de cette région. Il y en a qui combattent cela, qui veulent que la violence continue. C'est inexplicable. Mais il faut continuer à sensibiliser et à expliquer aux populations le bien fondé de cette décision. Et surtout leur dire que ce n'est pas pour les brimer que nous avons pris cette décision, c'est au contraire pour les aider. Croyez-moi, chers compatriotes, je ne suis pas venu au pouvoir pour continuer à assister impuissant à la déglingue de notre population, de notre pays. Je suis venu au pouvoir pour contribuer tant soit peu à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et dans les conditions de vie de nos concitoyens, la priorité, c'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça, tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la République. Donc, vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi. Voilà pourquoi ce coin de la République, cette région de l'Est, c'est l'endroit où je me suis le plus rendu depuis que je suis président de la République. C'est un signe pour vous montrer que je suis de cœur avec vous. Je sais que c'est douloureux quand on perd des proches, quand on perd des connaissances. C'est le réflexe humain, c'est normal. Même moi, j'ai toujours dit, si j'étais à votre place, j'allais aussi me poser la question sur ce que fait l'État. Comment est-ce qu'on peut nous massacrer comme ça? Où est l'État? C'est vrai. Mais dites-vous bien, chers compatriotes, je suis arrivé et j'ai trouvé une situation. L'armée est une institution. L'armée, il faut la comprendre. Et moi, n'étant pas militaire, j'ai aussi besoin de temps. Ce temps, moi, je trouve que je l'ai maintenant passé à comprendre ce qui se passe réellement. Et vous avez vu que dans le nouveau gouvernement, j'ai désigné comme ministre de la Défense un ancien militaire à la retraite. Parce que je voulais qu'au niveau du gouvernement, pendant nos conseils, nos réunions, que nous ayons aussi un spécialiste. En plus de mon staff personnel, chef de la maison militaire conseiller, et en plus du staff de l'armée, l'état-major général. Donc, nous avons besoin au gouvernement d'un militaire qui peut nous guider, qui peut nous orienter. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis. C'est pour ça que je vous disais, je ne peux pas rentrer dans les détails, donner des stratégies, mais je pense que tous les ingrédients sont réunis. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Nous allons éradiquer ce phénomène. Vous avez fait allusion à ma rencontre hier avec mon homologue ougandais. Il a aussi été question de
sécurité. Et là, nous avons décidé de conjuguer nos efforts, ougandais et congolais, mais d'aller au-delà. Et ce n'est même pas une demande venue de moi, mais du président ougandais lui-même, qui a dit, élargissons même cette collaboration à toute la région. Donc, tous les pays de la région. Et ceux venus de loin aussi, et j'en profite là pour rendre hommage à nos frères sud-africains, malawites et tanzaniens, qui ne sont pas à côté ici, mais qui ont envoyé des forces dans ce qu'on appelle la FIB, la Brigade d'Intervention Rapide. Et hommage spécial à nos frères kenyans, qui eux ne sont même pas de la SADC, parce que les trois autres pays étaient de la SADC, la décision avait été prise au niveau de la SADC, dans laquelle la République démocratique du Congo participe, est membre. Mais là, le Kenya a pris aussi soin de répondre présent à l'appel que la communauté internationale avait lancé pour renforcer la FIB, renforcer les forces nationales, les FRDC, et aider à éradiquer tous ces phénomènes de groupes armés. Donc, vraiment, nous sommes parés aujourd'hui. Nous sommes parés pour nous attaquer de manière radicale et efficace à cette gangrène qui est les ADF. Et je profite de l'occasion, parce que vous représentez le peuple de Beni, pour vous demander vraiment avec insistance de collaborer avec les forces armées et les forces de la police. Ne doutez pas d'elles. Ne vous méfiez pas d'elles. C'est vrai que par le passé, il y a peut-être eu des fautes, mais aujourd'hui, notre devoir a été de réparer ces failles qui les ont poussées à la faute, pour leur permettre de ne s'occuper que de leur mission. C'est parce qu'on les abandonne, quelqu'un l'a dit ici avec raison d'ailleurs, c'est parce qu'on les abandonne, on les néglige, et ce sont des êtres humains. Vous les mettez dans des conditions difficiles. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Comment voulez-vous leur exiger le maximum de rendement? C'est pas possible. Donc, nous veillerons à cela, et c'est pour ça encore, je parlais d'état de siège, de la désignation d'un militaire à la tête de la province, c'est pour ça. Parce que lui, il sera chargé de cela, d'être au courant de tout ça, et de me tenir au courant, parce que c'est le représentant personnel et direct du chef de l'État ici. Voilà pourquoi j'ai militarisé un peu la gestion de la province. Vous allez m'en excuser, c'était assez brutal, mais c'est un mal pour un bien. Parce que le but recherché, c'est votre sécurité, votre bien-être. Et croyez-moi, je suis votre premier partenaire pour ça. Croyez-le. Alors, le deuxième phénomène là-dedans, toujours dans la sécurité, ce sont les groupes armés locaux, composés de nos compatriotes, qui, pour aussi des raisons de désespoir, des raisons de manque de visibilité, manque de débouchés, pensent que les groupes armés, c'est la solution. Ce n'est pas la solution. Parce que finalement, dans les groupes armés aussi, on n'a pas de débouché autre que celui de faire du tort, de prendre des biens, des biens qui ne vous appartiennent pas, de faire d'user de son pouvoir que l'on détient au bout du fusil pour se faire le droit sur les autres semblables, les autres individus. Ce n'est pas une solution. Et voilà pourquoi je peux vous garantir que le processus DDR sera mis en marche très bientôt. Normalement, cette semaine, malheureusement, je ne suis pas à Kinshasa, mais il était question que les animateurs soient désignés. Et la bonne nouvelle ici, c'est que nous avons déjà pour commencer
pour commencer, nous disposons déjà d'un montant de 50 millions de dollars, œuvre de la Banque mondiale, pour mettre en place une politique convenable. Et plus cette politique va marcher, plus nous aurons encore des moyens, parce que les promesses sont là, les engagements aussi, pour notre politique. Alors, le désarmement, la démobilisation, la réinsertion communautaire pour la stabilité des DRCS consistera justement à faire un suivi complet. À partir du moment où le rendu se signale, jusqu'au moment où on va le réinsérer dans la société. Je sais qu'il va y avoir peut-être des problèmes. Il y a des gens qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux, des victimes qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux, sûrement. Mais faites confiance à l'État. Nous serons là pour voir si nous n'allons pas, et je crois d'ailleurs que c'est ce que nous ferons, instituer une justice transitionnelle pour permettre justement de réparer ces blessures et de favoriser une réinsertion. Je sais que c'est difficile, mais il faut que notre pays avance. Et pour que notre pays avance, il faut à un moment donné tirer un trait sur tout le passé sale et déshonorant que nous avons vécu et regarder dans une nouvelle direction, ensemble et unis. Ce n'est que détruire notre pays. Et moi, j'apprécie énormément cette partie de la République, parce que je suis sûr que si on vous met dans les meilleures conditions, vous allez être les meilleurs au niveau des performances économiques. Parce que malgré les difficultés énormes que vous traversez, mais vous m'épatez par les exploits, les performances que je vois à chaque fois que je viens dans cette partie de la République. C'est vraiment admirable, ça fait plaisir à voir. Et c'est ça qui motive même encore à faire davantage d'efforts, parce que vous n'êtes pas un peuple paresseux, vous n'êtes pas un peuple de lâches, vous êtes des travailleurs, des gens qui ont toujours l'esprit d'entreprendre, et il faut vous accompagner, et je le ferai. Alors, le responsable de la jeunesse a parlé de la justice, c'est vrai, j'en suis conscient, et même au moment où on parlait de décider de cet état de siège, il était question évidemment de cette justice qui allait être remplacée par les militaires et donc qui pouvait poser problème. Mais aujourd'hui, je crois que nous y sommes, vous le dites, il y a un problème de dossiers qui sont en souffrance, etc. Donc, nous allons voir si on ne peut pas faire un mix des deux, justice militaire et civile, les spécialistes nous le diront, pour faire avancer et débloquer les dossiers. Mais croyez-moi, je vais m'y pencher le plus rapidement possible. Alors, la demande d'appui de la société civile, je veux bien, mais je n'ai pas très bien compris appui dans quoi exactement et pourquoi. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'ai besoin de la société civile pour m'aider à passer des messages à la population, m'aider à faire comprendre au peuple de Béni qu'ils ne sont pas seuls dans leurs souffrances et m'aider à les organiser davantage dans cette situation de difficulté, mais les organiser afin qu'ils continuent à aller de l'avant. J'ai été heureux d'apprendre que depuis 2020, normalement, il n'y a pas eu d'exaction ici. Bon, Béni est épargné, certes, aujourd'hui, mais il y a encore son territoire qui, lui, a encore beaucoup de problèmes et nous sommes en train d'y réfléchir. Nous y avons réfléchi aujourd'hui. Je vous ai dit, bientôt, vos souffrances prendront fin. Donc, il n'y a pas de problème.
Alors, développement des infrastructures, mais bien sûr, si j'ai été à Kassine d'hier, c'était pour ça. Parce que depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai voulu changer de paradigme. J'ai été au Rwanda, j'ai été en Ouganda, j'ai été au Burundi, des pays qui hier étaient considérés comme des ennemis, on va dire, par les Congolais, des gens à ne pas fréquenter. Mais moi, j'ai été les voir pour dire nous sommes frères. Nous n'avons pas choisi d'être voisins, c'est Dieu qui nous a placés là. Et nous allons être voisins à vie. Alors, pourquoi nous haïr? Pourquoi laisser à nos enfants, à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont naître sans haine, pourquoi leur transmettre cette haine de l'autre qui ne lui a rien fait? Donc, nous avons passé des années à nous détester, à nous faire la guerre, à nous déstabiliser. Regardons un peu les choses autrement. Construisons des ponts entre nous et bâtissons ensemble pour voir maintenant aussi ce que ça va donner. Parce que la guerre, la haine n'a rien donné. Maintenant faisons la paix et l'amour et voyons ce que ça va donner. Et là je suis sûr qu'on aura des résultats. Voilà pourquoi moi j'ai voulu rassurer et tendre la main à nos frères rwandais, ougandais, burundais pour leur dire que c'est terminé cette vie-là. Nous sommes condamnés à être ensemble. Et d'entrée de jeu, j'avais fait la demande à la East African Community d'introduire, d'accepter le Congo, la République démocratique du Congo en son sein. Et aujourd'hui, c'est chose faite, Dieu merci. Ces pays nous ont accepté dans leur communauté et il y aura des avantages considérables pour les opérateurs économiques de cette région qui bénéficieront des mêmes avantages maintenant que les autres, Rwandais, Ougandais et autres, qui leur faisaient de la concurrence sur la frontière grâce à leurs avantages tarifaires obtenus à l'entrée de Dar es Salaam ou de Mombasa. Donc voilà ce que je veux voir dans mon pays. Et ça ne va pas s'arrêter qu'à au projet de la route, à la réalisation de la route Kassindi-Beni-Boutembo que nous avons inaugurée hier. Ça va continuer. Il y aura d'autres routes et il y aura d'autres défis. Vous avez parlé de l'eau et de l'électricité. À ce sujet, je compte lancer plutôt un vaste programme mais qui concernera tous les 145 territoires de notre pays. Nous sommes en train de le concevoir. Il y aura de très très bonnes choses, mais nous voulons développer le pays à partir de la base. Et donc, des moyens seront donnés à tous les administrateurs du territoire pour que le développement se fasse en un temps. Tout le monde aura le même budget, disposera du même budget, du même programme. Le but étant évidemment d'améliorer le social, mais surtout de réussir l'intégration de la République. Chaque territoire aura pour mission de se connecter à l'autre, au territoire voisin. Et ainsi de suite, tout le pays se trouvera connecté et cela impactera considérablement sur notre vie au quotidien. Je pense à l'approvisionnement en denrées de première nécessité, etc. Et même à la création, s'il y a de l'énergie, à la création d'usines, d'industries qui vont créer de la richesse, améliorer le pouvoir d'achat en créant des emplois, bien sûr. Donc c'est un programme qui se veut ambitieux, qui sera lancé cette année en tout cas. Dès qu'il sera prêt, surtout dès que les moyens seront là, parce que nous sommes justement en train de mobiliser les moyens. Vous m'avez vu descendre au Katanga assez récemment, à Kolwezi, pour voir les entreprises minières qui ont investi dans notre pays, qui sont les bienvenues. Mais j'avais été pour leur dire, écoutez les amis,
je ne suis pas satisfait de notre partenariat. Vous ne pouvez pas venir dans notre pays en partenariat, en partenaire avec nous, et vous, vous continuez de prospérer pendant que nous, propriétaires de ce pays, et qui vous proposons ce partenariat, restons dans nos difficultés, notre pauvreté, etc. Non. Dans d'autres pays, ailleurs, en Libye par exemple, au Qatar, ils ont rien qu'avec un seul produit. La Libye, c'est avec le pétrole, le Qatar, c'est avec le gaz. Ils ont amélioré, mais ils ont fait un bond considérable. En une vingtaine d'années, ces pays s'étaient modernisés, mais d'une façon incroyable. Leur jeunesse était prise en charge totalement au niveau éducationnel. Et l'émir du Qatar me disait récemment que chez eux, le jeune homme qui termine ses humanités, qui choisit d'aller n'importe où, de rester au pays ou d'aller à l'étranger, on l'accompagne par le pays. Il ne paye rien. Et nous, nous avons énormément d'actifs miniers. Énormément. On a plusieurs produits et nous ne sommes pas capables d'assurer ne fût-ce que la gratuité de l'enseignement, d'assurer ne fût-ce que l'accessibilité aux soins de santé. Non, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour ça que j'ai dit aux amis investisseurs, j'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. On doit tout revoir. Vous gagnez, nous gagnons. Voilà. Et c'est comme ça que nous allons reconstruire notre pays. Voilà, lorsque ce programme sera prêt, je le lancerai, vous serez au courant, et je veux le lancer à partir de tous les territoires de la République. Et comme ça, après moi, mon successeur viendra et continuera là où je me serai arrêté, où se sera arrêté le développement. Donc voilà comment nous allons évoluer et je compte sur vous, sur votre accompagnement pour cela. Oui, quelqu'un a parlé d'audit des opérations, d'accord, totalement d'accord, Soukola, les opérations Soukola 1 et 2, hein. Bien sûr, il faut faire un audit. Je vous ai dit ici que nous sortons d'une réunion très importante dans laquelle j'ai mis beaucoup d'accent sur ce genre de choses. Le but pour moi, c'est pas vraiment de faire, c'est pas la priorité. C'est vrai que c'est une nécessité, mais c'est pas une priorité. C'est pas de refaire les contrôles financiers, etc., de comment est-ce qu'on a géré les choses. Non, c'est de commencer aujourd'hui et de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, c'est ça pour moi la priorité. Sécuriser davantage nos populations et on va le faire. Alors, la MONUSCO, l'implication de la MONUSCO, moi je crois que elle est nécessaire. Et je regrette d'ailleurs qu'il y ait eu à plusieurs reprises ces incompréhensions entre la MONUSCO et la population, surtout ici à Beni. Et je vous demande vraiment, s'il vous plaît, de ne pas vous en prendre à eux. Je comprends votre détresse, je sais. Je vous ai dit que à votre place, je réagirais peut-être de la même manière. La détresse, quand on l'a, on en veut à tout le monde. On a l'impression que même les arbres ne font rien. Alors, donc je comprends. Mais vous devez vous dire que cette force de la MONUSCO n'est pas venue pour nous faire du tort. Il y a peut-être des gens qui se sont mal comportés en son sein, c'est possible. Il faut les dénoncer, il ne faut jamais les protéger. Mais en général, je ne crois pas qu'ils sont là pour nous faire du tort. Il y a peut-être eu des incompréhensions au niveau des autorités. C'est peut-être ça, c'est à nous la responsabilité. Nous n'avons peut-être pas bien soigné ces relations. Et c'est à ça que je m'attelle tous les jours. Chaque fois que je les vois, les responsables de la MONUSCO, c'est pour leur dire comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour l'intérêt de nos populations. Parce que c'est ça leur mission, c'est de nous aider à stabiliser le pays. Donc, on va davantage accentuer cette collaboration. Et d'ailleurs, j'étais heureux de recevoir ce matin, lorsque j'ai parlé avec
les responsables des forces de sécurité de recevoir un rapport positif sur une collaboration avec les forces de la MONUSCO qui a permis de neutraliser un groupe des ADF. Donc vous voyez que la collaboration est possible avec la MONUSCO et nous allons davantage l'accentuer. Parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Alors le DDR, je l'ai dit, nous allons très bientôt désigner les animateurs, donc vous serez au courant et vous pourrez ainsi approcher ces personnes. Je vous le recommande en tout cas, il faut les voir, il faut les aider, mais également faire le travail contraire, c'est-à-dire voir nos frères et sœurs, s'il y en a, qui sont partis, qui ont gagné les groupes armés, les voir, leur parler et leur demander de quitter ces activités. Le Congo a besoin de sa jeunesse. Et dites-vous bien, même si vous avez raté votre parcours scolaire, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas à jeter dans la poubelle. Vous valez quelque chose. Vos mains valent quelque chose. Vos jambes valent quelque chose. Votre cerveau vaut quelque chose. Tout le monde n'est pas appelé à terminer forcément ses études, à faire de brillantes études. On a besoin des plombiers, on a besoin des électriciens, on a besoin des mécaniciens, on a besoin de cordonniers, on a besoin de cantonniers pour tenir nos routes, et on en aura des routes, que ce soit de desserte agricole ou de transport de circulation normale. Donc on a besoin de tout le monde. Ce dont nous n'avons pas besoin, ce sont des criminels qui ruinent notre économie ou qui tuent nos compatriotes. Ça, on n'en a pas besoin. Mais tout le reste qui va dans le sens de construire notre État, notre pays, nous en avons besoin. Ne vous découragez pas, ceux qui ont été là-bas, sortez de là. Il y aura bientôt une politique pour vous réinsérer dans la société. Et l'agriculture, parce que je parlais des 145 territoires, l'agriculture aussi va être une des priorités, mais l'agriculture demande énormément de travailleurs. Et nous en aurons besoin. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables cultivables. Donc nous aurons besoin de jeunes gens forts pour qu'ils se lancent dans ces activités-là. Et demain, grâce aux moyens que nous générons, ils pourront obtenir des crédits et grandir dans leurs activités, créer de la richesse, créer leurs entreprises. Et c'est possible tout ça. Ce n'est pas imaginaire, c'est possible. Dans notre pays ici, le Congo, qui a tant souffert, c'est possible. Les gens pensent que nous sommes condamnés à demeurer pauvres, malheureux, dans l'insécurité. Non, c'est une question de volonté. Moi, j'ai cette volonté, j'ai cette foi, et je veux vous la communiquer. Ne soyez pas du tout découragés. La vie continue, nous devons nous accrocher à cette vie, surtout nous donner la main, et ensemble construire un meilleur avenir pour nous, pour nos enfants. Alors, oui, je vois aussi, je reviens un peu en arrière dans les échanges avec l'Ouganda. Quelqu'un a conseillé ici la traçabilité du cacao. Il a effectivement raison. Vous savez, le cacao, je parlais du pétrole pour la Libye, je parlais du gaz pour le Qatar, mais le cacao, est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'il a transformé la Côte d'Ivoire? C'est le seul produit, la seule ressource, j'allais dire, la seule richesse que la Côte d'Ivoire a, la principale. Et vous avez vu les miracles que le cacao a fait en Côte d'Ivoire. Donc, c'est possible, c'est simplement un problème d'organisation. Le Congolais, au fil des années, a fini par douter de lui. Le Congolais a fini par ne plus croire
dans son destin merveilleux. Et c'est ça que je veux redonner aux Congolais, la fierté d'être Congolais, la fierté d'appartenir à ce pays et de le développer. Nous sommes nombreux au Congo, des millions, donc bientôt on va commencer un recensement et nous saurons exactement combien de Congolais nous sommes, certains disent 80 millions, d'autres 100. Donc ça veut dire que nous sommes potentiellement riches, humainement j'entends, je ne parle même pas encore de nos ressources naturelles. Rien qu'en potentialité humaine, nous sommes riches, combien de cerveaux? Et comment on peut expliquer cette souffrance? Ça veut dire qu'il y a eu quelque part une cassure, on ne croit plus, les Congolais ne se soutiennent plus les uns les autres, ne s'aiment plus. J'ai dit, il faut redonner l'amour du Congo et des Congolais aux Congolais eux-mêmes. C'est pour ça que je me bats. Et nous allons y arriver. Donc, nous allons travailler pour ça. La traçabilité du cacao, vous devez absolument en faire une ressource principale qui va générer énormément de richesses et d'emplois. Nous y travaillerons. Si c'est par l'Ouganda qu'il faut le faire, nous le ferons parce que les relations sont appelées à devenir excellentes. Nous allons travailler ensemble parce que c'est par eux que nous devrions, d'ici en tout cas, évacuer ces produits vers d'autres cieux. Donc, nous sommes obligés de nous donner la main et de travailler de concert. Alors, pour finir, oui, je voulais d'abord demander au responsable de la jeunesse qui me demandait un autre schéma. Je n'avais pas très bien compris, je ne voulais pas vous interrompre, mais j'avais dit que j'allais vous poser la question, répondez-moi, allez-y, oui. Qu'entendiez-vous par vous proposer un autre schéma? Je suis prêt à vous suivre, mais sur quel schéma? Nous, au niveau de la jeunesse, des moments passés, nous avons suivi la représentante de la MONUSCO en RDC. Je crois à l'époque c'était Leila Zerougui, si je ne me trompe pas, qui avait dit qu'il faut échanger avec l'ennemi. Il faut négocier avec l'ennemi. Quand elle arrive à un niveau de nous dire qu'il faut négocier avec l'ennemi, c'est que la MONUSCO maîtrise l'ennemi. Et donc, il faut aussi exploiter aussi ce schéma-là, pourvu que nous puissions avoir la paix. Parce qu'on dit souvent que la paix coûte cher. L'essentiel pour nous ici, c'est la paix. Par n'importe quelle voie, et que nous puissions avoir la paix. Donc, il ne faut pas aussi négliger ce schéma-là, aller vers la MONUSCO pour nous dire, pourvu que la MONUSCO puisse nous dire pourquoi elle avait envisagé aussi le schéma-là de chercher la paix dans ses sens, d'échanger avec l'ennemi. Bien sûr, maintenant je vous comprends mieux. Mais moi, je vais vous dire une chose. Est-ce que l'ennemi a demandé une négociation? Parce que c'est ça le problème. Quand on dit négocier avec l'ennemi, c'est parce que l'ennemi vous fait du tort pour une raison X ou Y. Mais est-ce qu'ici, l'ennemi a dit ce qu'il voulait? Je ne crois pas. Ah, peut-être. Mais je ne crois pas, je ne l'ai jamais entendu chez eux. Et donc je me dis, comment négocier avec quelqu'un qui vous tue? Non, il faut d'abord lui montrer que vous avez du répondant. Et si en le contrant, vous commencez aussi à lui faire du tort, ce sera à lui de demander maintenant, de discuter, alors peut-être là, on peut voir. Parce que nous n'avons rien fait à ces gens-là. Alors, au nom de quoi nous on va négocier? En plus des massacres qu'ils occasionnent dans nos rangs. Non. Je crois que nous devons d'abord leur montrer de quoi nous sommes capables et on verra. Alors, je voudrais terminer par mon ami, viens mon fils, viens. Toi qui avais parlé, je suis très fier de toi. Rappelle-moi ton nom. Katia Muhiwa. Comment? Jason. Jason, oui. Jason, je suis très fier de toi. Merci. Tu as tenu des propos sans notes.
tu les as déroulés comme, comme un enregistreur. Vraiment, tu es un garçon intelligent. Et je peux te promettre, mon fils, que je ne vous abandonnerai jamais. Vraiment, merci. Tu as failli vraiment me faire pleurer tout à l'heure, parce que je n'ai jamais entendu cette version-là. Et aujourd'hui, j'ai même changé mes propos, parce que j'allais vous dire, le discours que quand j'avais demandé à vous voir, j'allais dire, dites aux adultes qui vous manipulent, qu'ils arrêtent de vous manipuler, je compte sur vous, je veux vous protéger. Mais c'est pas ça. Donc j'oublie, j'enlève ce discours. Parce que je comprends que c'est votre souffrance, en fait. Vous n'êtes pas manipulé, c'est votre souffrance, vous la vivez, vous, les élèves. Et nous n'avons pas le droit de vous regarder comme ça sans rien faire. Donc dites à vos camarades, le président a entendu vos pleurs. Et je sais que la principale de vos revendications, c'est la sécurité. Je vous ai dit ce qu'on va faire pour la sécurité. L'autre, c'est les conditions, vous l'avez dit, d'études. Et malheureusement, il y en a parmi vos camarades qui ont perdu leurs parents. Je le sais. J'ai reçu récemment d'ailleurs une délégation de Beni et Butembo à Kinshasa qui m'avait parlé de ce... de ce côté macabre des enfants qui avaient perdu leurs parents et qui ne savaient plus aller à l'école. Il y en avait un qui parlait de son ami qui ne savait plus aller, qui n'avait plus de moyens pour aller à l'école. Donc ça j'ai compris et je crois que la réponse ce sera la gratuité de l'enseignement que nous sommes en train de mettre en place de manière déterminante, ça marchera parce que nous avons aujourd'hui un ministre qui est vraiment impliqué là-dedans à matérialiser cela et je suis sûr que ça marchera. Donc tes camarades vont pouvoir aller à l'école, en tout cas ils pourront y aller gratuitement parce que l'État doit les prendre en charge. Merci. L'autre problème que tu poses, c'est aussi celui de la qualité de l'enseignement. Jason, tu as dit, vous avez perdu des mois et des mois, c'est vrai. Cela s'est peut-être ressenti sur votre qualité. Ça, je vais réfléchir, nous allons réfléchir avec les spécialistes pour voir comment, dans les zones de conflit, dans les zones où la violence a empêché nos enfants d'aller à l'école, comment est-ce qu'on peut avoir des programmes spéciaux de rattrapage ou de remise à niveau pour leur permettre de ne pas avoir du retard sur les autres enfants de la République. En tout cas, j'ai vraiment envie de vous dire que je ne vous abandonnerai pas. Merci. Soyez forts, je vous protégerai. Dites-le à vos amis, à vos camarades, il n'y a pas de problème. Merci, papa. Merci, Jason. Merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir avant de dormir de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants. D'accord. Lorsqu'ils vous attendaient et leur discours a préparé comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive. À tel enseigne que certains parmi nous ont subi des blessures graves qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'État et les gouverneurs. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être d'écrire. Mais nous vous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien. De bien vouloir ne pas laisser nos 8 jours et nos 8 nuits ne pas se faire passer pour rien. De bien vouloir faire en sorte que les fouets que nous avons reçus, que la prison que nous avons subie, que l'injustice qui a été commise envers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population, mais que ça soit aussi votre motivation pourvu que la paix revienne chez nous. C'est le besoin primordial.
la paix. Merci, Jason. Merci, Papa Président. Jason, merci beaucoup. Merci. Et je vais vraiment vous demander, au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal, je vous demande pardon. Merci. Vraiment, pardon du fond du cœur. Je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants, mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants. Merci, Papa Président. Et j'aimerais que vous dites aussi, que vous disiez aussi à mon protocole, que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Ça va, nous vous remercions sincèrement. Merci, Jason. Mmh. Que merci, Dieu merci. Te bénisse. Merci, mon fils. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense avoir fait le tour de toute la question de mon séjour ici. Je tiens encore à vous remercier les uns et les autres et à présenter mes excuses pour ne pas avoir rencontré le grand peuple de Béni. Quelque part, ça me réjouit que cela n'ait pas eu lieu parce que ça me permet au moins de protéger les gens parce que tout le monde n'a pas le réflexe de porter le masque et peut-être qu'il y aurait eu des gens qui allaient être contaminés par quoi que ce soit. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. Je compte sur vous pour véhiculer ce message auprès de toutes celles et ceux qui ne sont pas ici avec nous, pour leur dire en tout cas que le président de la République que je suis ne sera un homme heureux et comblé que le jour où cette violence sauvage et inhumaine sera complètement éradiquée de notre pays. Et je vais me battre de toute mon énergie pour que cela n'ait plus lieu dans notre pays. Et ensemble, nous pourrons nous tourner vers le développement de celui-ci. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Oui, vous vouliez dire peut-être pour terminer rapidement. Oui, parce que moi, merci, je vais encore Monsieur le Président. Beaucoup. Ici, c'est Manzia, Manzia Vakinda Louvanzadamniel, 4e vice-président de la Fédération UDPS Tshisekedi Butembo. Donc, concernant la sécurité, j'ai une solution que j'aimerais qu'on finisse avec vous à un lieu presque à l'absence d'une tierce personne. Oui. Bon, je suis en train d'aller à Butembo, suivez-moi, alors, venez avec okay. moi. Merci beaucoup. Ok, alors, merci. Nous vous prions de vous lever. De notre chance, Monsieur le Président. Quand il y a voilà. Jason qui est le président du Parlement des élèves de Béni, qui est, avec beaucoup de courage, a restitué ce qui s'était passé au moment où ils ont décidé d'investir la mairie pour faire entendre leur voix. Parce qu'il faut dire que les enfants sont parmi les délégations retenues ici pour finalement faire comprendre au chef de l'État ce qui s'était passé. Comme les images le témoignent, le chef de l'État s'est rapproché d'un des élèves, la fille beaucoup plus, hein, qui s'est retrouvée avec un bras cassé. Donc ce sont, comment on pourrait dire, certaines bavures hein, des services publics quand une déviation. Et le chef de l'État ne s'est pas voilé la face. Il a dit devant tout le monde que les services de sécurité sont autant justiciables que tout autre Congolais. Face aux excès, il faut sévir. Je crois que la justice va s'investir pour que les auteurs de ces actes condamnables vis-à-vis des enfants qui n'étaient pas armés, qui n'avaient
n'avaient que la bouche pour réclamer les meilleures conditions de sécurité. Donc le message de Jason a beaucoup ému le président de la République. Et il a fait même appel à Jason pour qu'il revienne devant le micro s'expliquer carrément sur cette situation. Exactement. Donc c'est que les gens avaient entendu. Le chef de l'État l'a reconnu humblement que les emprisonnements, ce n'était pas une fabrication, c'est des faits avérés. Et humainement, c'est ça l'attitude.